C'est sous ce soleil éclatant que la ville de Tévi a vibré au rythme de la 52e édition d'Aïza, la plus grande fête traditionnelle de la préfecture de Zio. Cette célébration annuelle, qui commémore les hôtes du peuple Évé depuis Notien, a une nouvelle fois réuni les fils et filles de la région pour un moment de partage, de culture et de fierté. Aïza, pour nous, les fils de Zio, c'est une fête de retrouvailles. Son nom relève de l'exode de nos parents quittant Notien. Le thème de cette 52e édition, axé sur l'engagement personnel et collectif en faveur de la paix et du développement, a trouvé un écho particulier dans le Zio. La paix, c'est l'autre nom du développement. Alors, lorsque nous cultivons la paix, naturellement, le développement va suivre. L'élection de Kodjo a dédié natif de la préfecture de Zio à la présidence de l'Assemblée nationale togolaise a marqué cette édition d'une empreinte toute particulière. Les 365 jours qui viennent de s'écouler ont été marqués par des événements majeurs, dont le plus emblématique est la cession d'un natif de la préfecture de Zio au poste de premier président de l'Assemblée nationale de la 5e République. Bientôt, il convient de le faire, avec ce qu'on me nomme, fait à ton air. Oyomba, me nouveau vélo! Vous venez de tout goûter, mais ce tout colola, il fait du coco, il fait du coco, et ça, il fait bien. Les meilleurs élèves de la préfecture aux différents examens ont reçu des bourses et des allocations d'études. Amandine Yawa Abouti, élue reine Aïza 2024, a été particulièrement mise à l'honneur avec de nombreux lots, dont cette moto. Pour rappel, les festivités prennent fin ce 11 août avec un match de football entre Mission Tovey et Dalavé au stade Dr Kaolo de Thiéviers.